Et yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Naruto Storm Connexion modée. Aujourd'hui nous allons tester un tout nouveau mode. Et pas n'importe quel mode parce que c'est un personnage qui est dans le jeu, mais qui n'est pas du tout jouable, vous l'avez vu dans le titre et la miniature. On va tester Nanashi. What the fuck? Bon, voilà, là elle est pas présentable, mais je vous assure qu'un jeu allait bien, c'est juste que je sais pas pourquoi, dans l'écran de sélection des personnages, ça ne marche pas du tout. Enlevez-moi cette horreur. Alors oui, je l'ai pas précisé, mais pour ceux qui ne voient pas trop qui c'est un personnage exclusif au jeu que vous pouvez retrouver dans la story spéciale. C'est un personnage central de l'histoire. C'est un personnage que j'adore, donc j'ai vraiment trop hâte de la tester. On va aller voir ce qu'elle fait, évidemment, après on testera en combat, et voir si le mode vaut le coup. Évidemment, il est gratuit, vous pouvez l'avoir en description, merci au modeur qui l'a fait. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu habituel, ça fait toujours plaisir pour le référencement, etc. Ça m'aide énormément. Et petite info, j'ai fait une playlist des tests de mode sur Naruto Storm Connection. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez peut-être raté des vidéos, etc. Vous aurez tout dans la playlist. Allez, allons tester Nanashi. C'est une horreur. Hein. Sur l'écran de personnage, c'est une horreur. Enlevez-moi ça. Ok. Et effectivement, ah oui. C'est quand même beaucoup... beaucoup mieux. On peut enfin jouer Nanashi. Bon, avec les modes, je sais pas du tout... si un jour ils la rendront jouable dans le jeu de base, est-ce qu'ils en feront un DLC? Bon, ça serait chiant qu'on paye pour un perso qui est déjà dans le jeu de base. C'est sa voix en plus, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'elle prend la place de Tenten, mais c'est pas la voix de Tenten. Hein. Ouh. Ah non, c'est vraiment la voix de Nanashi. Trop stylé, on jouera en français, parce que ça se trouve ça marche aussi en français. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool d'avoir Nanashi. Peut-être qu'il y a un mode de Merce qui va arriver aussi, on pourra le jouer. J'ai vraiment hâte. Hein. Rien que là, ça me fait kiffer. Au niveau du moveset, elle a quoi du coup? Ok, ok. Et ouais, elle a vraiment un moveset en plus. Non, c'est trop stylé, j'adore. Ah, j'adore. Bombarder les pouces bleus pour Nanashi. Est-ce que vous aimez bien ce perso? Moi, franchement. Olé. Non, mais wow, les explosions, what the fuck. Oh, ça n'a aucun sens. Même la barre de vie, il y a Nanashi, il y a une image d'elle. Vraiment, le mode est quali de fou, hein. En plus, qui a envie de jouer Tenten? Enfin, moi, je préfère garder Nanashi. Qui a envie de jouer Tenten? Ah, elle est trop cool, Nanashi. Elle est trop cool. Ah, vraiment, je vous conseille de faire la story spéciale du jeu. Hein. Elle est peut-être un peu longue. Ok, c'est la shop. Étonnant, la shop. Elle est peut-être un peu longue à commencer au début, la story spéciale, mais une fois qu'on est dedans, c'est trop stylé. Ah ouais, non, mais ça fait vraiment comme le boss Nanashi qu'il y a dans le jeu. On fait la shop, donc déjà, il peut pas nous toucher. Et il se prend une explosion de feu noir. Et c'est pas mal, hein. Et en l'air? Ok, ça a l'air classique en l'air. Si je fais l'enchaînement vers le haut... Ok, ah ouais, et puis ça l'envoie bien loin. Ah, j'ai pas réussi à aller le chercher. J'ai pas réussi. C'est possible au moins ou... Ok, boum. Ouais. Ah, je sais pas si c'est possible, ça a l'air un peu buggé. Dommage, dommage, mais bon, c'est stylé. Hein. C'est extrêmement stylé d'avoir un personnage. Alors, je voulais regarder si elle avait un combo sur le côté. Alors, c'est un combo très chelou, mais ouais, elle en a un. Boum. Alors je crois qu'elle fait une sorte de genjutsu, mais c'est compliqué. Il reste endormi indéfiniment ou... Ah quand même, c'est bien long, hein. T'as largement le temps de caler l'ulti. Hein. Donc si je fais ça, du coup... Hop, je pourrais caler l'ulti. Bah regardons l'ulti, vous savez quoi? Regardons l'ulti. Olé. Ok. Ah ouais... Oh, mais c'est son Sharingan en plus, c'est son Mangekyo Sharingan derrière. C'est l'attaque de Shisui, mais c'était complètement son Mangekyo, je crois. Hein. Alors là, donc c'est celui de Shisui. Oh là 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 là, c'est classe! Mais attendez, ça touche n'importe où ou... Quoi? Mais attends, quoi? Oh, c'est tellement classe. Non, elle est insane. Par contre, elle est insane, j'adore. Oh là 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 là. Oh, elle est trop bien. Bon, un peu buggé évidemment parce qu'elle est petite et l'ulti c'est celui de Shisui, donc il est bien plus grand. Mais ça passe bien. Donc tout à l'heure, on a vu, c'était un petit Katon. Boum, ça se charge? Ça se charge pas? On peut le faire en l'air, j'imagine. Oh, ça fait des balsamines si on le fait en hauteur. Ok. Et triangle rond. Oh. Non, mais c'est la voix de Nanashi, j'adore. Vraiment, j'adore. Ok, d'accord. Ça a pas l'air de faire des dégâts incroyables. Et on peut pas le faire en l'air. Ok, ok. Et eh bah, c'est très cool. Hein. Franchement, en fait, t'as vraiment l'impression que le perso est jouable. Hein. Regardez ce qu'un modeur a réussi à faire. Tu peux complètement en faire un personnage à part entière. Pourquoi ne pas l'avoir mis dans le jeu? Je sais pas. Flemme de faire un ulti peut-être, je sais pas. Et si je l'éveille? Mais pourquoi? Elle a un éveil! Pourquoi elle est pas dans le jeu de base? Ça change ou pas?
Est-ce que ça change? Non, ça change pas. Oh là là, non mais l'explosion, ça n'a aucun sens. Ah, dites-moi si vous appréciez, mais moi j'adore. Hein. Vraiment, je pense que c'est un mode que je vais garder, parce que Nanashi, je l'aime trop, elle est trop cool. Elle est trop trop cool. Son histoire, etc. C'est tellement touchant, ce personnage. Franchement, je vous conseille d'aller... Ah, là, ça passe! Je vous conseille de faire la story spéciale, hein, évidemment, si vous avez le jeu. Trop cool. Ça touche pas en l'air, ça? Non, ça touche pas en l'air. Oh, j'ai du mal à voir les combos que je pourrais faire, mais... Ah, parce que elle, là... Ah, j'ai du mal à... Ouais, il tombe instantanément. C'est dur d'aller le chercher, en fait. Ok, non, mais je crois qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. C'est trop stylé. Boum, là, je peux aller le chercher en l'air après avoir fait ça? Oui, complètement. Ok, nice. Nice. Ah, dommage. Je pense que je peux faire du combo, hein, mais... Ouais, je peux faire des bons combos. Je peux en faire. De toute façon, on va les tester sans combat, voir ce qu'elle vaut. Et ça va être trop stylé. On la testera en français aussi, parce que je pense clairement qu'elle a une voix française, vu qu'elle a, elle a sa propre voix. Donc, je vois pas pourquoi ça passerait pas. J'ai trop hâte d'aller tester, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie, ce mode. Même dans le chargement, elle est buggée. C'est terrible. Heureusement qu'elle rend bien en jeu. Hein. Du coup, j'ai mis l'éveil infini. Donc, je peux le faire dès le début si je veux. Et vous savez quoi? Je pense qu'on va le faire. On va repousser un peu Boruto. Et on s'éveille. Oh là là là, elle est incroyable. Boruto, c'est fini, Boruto! Oh là 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 là. Boum. Stun. Il l'a pas vu. Ah non, il peut venir me chercher. Hein. Je pensais que j'avais une armure avec le Amaterasu, mais non, j'ai pas d'armure. Hein. Je peux me faire foudroyer. Ok, le combo. Oh là 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 là, ce qu'il prend. Il peut rien faire. Oh là 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 là. Ça touche? Non, ça touche pas. C'est très dur à caler ça. Hein. Je vois pas comment... Ouais, non, ça me fait pas d'armure. Hein. On l'a bien vu. Elle est incroyable. Mais regardez-moi ces animations. Il y a tout qui passe. Il y a pas un seul truc qui... Enfin... Alors, je saurais pas vous... Ah, mais c'est dès que je pars. C'est dès que je pars que j'ai du Amaterasu, en fait. C'est pas pendant ma chope. Ah oui, mais ma parade fait des dégâts, en fait. Ah oui. C'est n'importe quoi. C'est parce que je suis éveillé ou pas? Ah, je l'ai tué juste parce que j'ai un Amaterasu infini. Je pourrais ne jamais finir le combat si je veux. Est-ce que si je... Tiens, d'ailleurs, si elle part, elle se protège l'œil. Ouais, c'est quand je suis éveillé. Putain, mais le modeur, il a fait des dingueries. C'est incroyable. J'adore. Franchement, tester ce mode, il est trop cool. Et là, ça passe instant. Oh là 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 là, il peut rien faire. Il peut pas esquiver l'attaque. Oh là là, Nanashi, perso incroyable. Perso incroyable. J'adore. C'est une dinguerie. Ah, ça touche pas, dommage. Ça touche. Boum. Ah, dommage. Attention. Ce qu'il prend. Non, je vais pas m'éveiller, je vais voir si elle a une image du coup fatal. Je pense pas, hein, logiquement, elle en aura pas. Mais on sait jamais, on va tenter. Allez, maintenant. Oh là 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 là, les dégâts. Je pense qu'il meurt, là. Oh, il a réussi à l'esquiver. Voilà. Ah oui, non, mais... Attendez, en fait, c'est totalement esquivable. Là, il pourra pas. Là, il a pas le temps. T'as pas le temps, là. Et comment il marche, si tu le dis? Je comprends pas comment ça marche. Au secours. Je sais pas comment ça marche. Comment il marche? On va le dormir, vous savez quoi? Ah, là, t'es mort. Là, c'est foutu, Boruto. Ah, il peut le permute, hein. Je pensais que ça touchait forcément, mais... C'est chaud, hein. Ok, là, c'est bon, il est endormi. Ok. C'est terminé, Boruto. Ah, merde. Dommage. Ça met un truc de Tenten, dommage. Dommage. Ça aurait pu, franchement, ça aurait pu. Trop cool. Et animation de victoire? Ça a donné quoi, l'animation de victoire? Et ça fait celui de... Il y a la phrase de Tenten, mais... Elle fait un truc. Elle est éveillée. Ok. Non, ça passe bien. Hein. Franchement, ça passe bien. À part l'écran de victoire et l'image du coup fatal. Et aussi l'écran de sélection de personnages aussi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Ok, j'étais pas convaincu que ça allait marcher, mais ça a complètement marché. J'ai réussi à lancer un combat en équipe avec elle et Boruto. Oh là, moi, ma terrasse qui est pas passée. On s'éveille, on n'a pas le temps. Ok, let's go. Oh là 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 là, l'éveil. L'éveil, il est insane. Ah ouais, du coup, j'ai... Oh, il a réussi à me choper, il était dedans, je suis choqué. J'avais ma barrière de Amaterasu. Putain, même en éveil, t'as un petit truc en plus. Non, mais c'est trop stylé. Tiens, bouffe. J'ai le temps d'aller le chercher. Oh là 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 là, le perso de Zinzin. Oh. Non, il m'a encore chopé. Oh. Shizui, arrête tes bêtises. Tu peux pas me toucher. Chaque fois, il me chope. Il arrête pas de me choper à l'infini. Laisse-moi tranquille. Ah ouais. Vous avez peur de rien, vous. Allez. Olé. Olé. Oh, il a tout tenté, hein. Il a tout tenté. Tiens. Boruto. Ça passe, ça. Ah, dommage. Oh, elle est bien à jouer en plus, hein. Elle est cool, hein. Franchement, j'aime bien. Oh, j'allais dire, attends, si ça touche pas, c'est scandaleux. J'aimerais bien me faire l'ulti combiné, en fait. Évidemment, elle en a pas avec Boruto, elle en a avec personne, hein. C'est un personnage qui n'existe pas en soi, mais... Oh là là. Ah, j'ai pas eu le temps. On va essayer de l'abîmer un peu plus. Non, j'ai raté. Esquive. Ok, let's go. Ok, il m'a chopé. C'est pas grave. Ah non, le... Non, il m'a touché, je vais pas avoir le temps. Dépêche-toi. Non, j'aurai pas le temps, non. Bon, on se reprend quand j'aurai réussi, hein. Ok, je l'ai. Ok, parfait, Boruto. Je sais pas si ça va... Ça se trouve, ça va faire exactement la même chose qu'elle fait de base, hein, mais... Celle qu'elle fait, l'attaque de base, c'est déjà un ulti combiné en soi. Oh là. Ouais, c'est ça, c'est... C'est la même chose en soi. Ok, ok. Au moins, on aura vu. Allez, pour finir, un vrai go combat contre Ishiki, un mode qu'on a testé juste avant, je vous conseille d'aller le voir. Il est vraiment très bien fait, vous allez le voir aussi. Oh, il s'éveille! Oh, le salaud. Oh, le salaud. On va voir, est-ce que Nanashi... Eh ouais, Nanashi a une voix française. Je l'ai jamais entendu en plus parce que j'ai fait le jeu en japonais. On va voir ce que ça donne, hein. Oh là 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 là. C'est trop stylé. Oh, j'adore, j'avais jamais entendu sa VF en plus. Incroyable. Allez, ça passe. Ah, ça passe pas du tout, évidemment. Oh, puis Ishiki, forcément, il en a rien à faire. Vas-y, Nanashi. Non, il s'en fiche. Allez, maintenant. Oh là là, elle est incroyable. Et là, on termine. Oh, c'est... je vous laisse apprécier la VF, hein, mais c'est incroyable. Ah, ça c'était Tenten. Le vainqueur a été déclaré. Alors ça se trouve en VF là je m'extasie pour rien parce que ça se trouve c'est juste la voix de Tenten, hein, j'en sais rien. Ça se trouve même en VO c'était la voix de Tenten. Je n'en sais rien. Mais je me dis... Non, je vois pas à quel moment Tenten dirait Katon. Ouais, non, là c'est Nanashi. Par contre, quand on fait les combos, est-ce que c'est Tenten? Ah, les voix ont l'air de se ressembler, donc j'en ai aucune idée en vrai. Hein. Par contre, on peut faire un truc. Ouais, là évidemment c'est Nanashi. Mais du coup, parce que c'est pas un Sarada. Hein. C'est tout ce que je peux faire. Ah ouais, non, je pense que c'est vraiment la voix de Nanashi, hein, vous me redirez, hein, pour ceux qui sont adeptes de la VF, vous me redirez, Kashin Koshi qui s'est éveillé aussi. Ah, oh, c'est trop stylé. Lumière Céleste aussi, hein, c'est Nanashi. Ah, j'avais un petit doute, je me suis dit, non, mais ça se trouve, je m'extasie pour rien, c'est la voix de Tenten, mais honnêtement, je pense pas. Ok.
Technique de la tempête de flammes. Eh, ça passe, hein. Ah, c'est trop cool. J'apprécie la VF, hein, mais... C'est beaucoup trop stylé. Incroyable, j'adore. Ouais, parce que la voix de Tenten, c'est plutôt ça, donc... Non, je pense que c'est la vraie voix de Nanashi. Je vois pas à quel moment Tenten dirait technique de la boule de feu, etc. Donc, non, je pense vraiment que c'est la voix de Nanashi. Il a réussi, le modeur, à mettre sa voix. Bon, ça se trouve, c'est pas dur, hein, mais c'est le petit détail qui fait que t'as vraiment l'impression de jouer Nanashi. Et c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Je voulais faire un dernier combat pour la fin. Parce que vraiment, le dernier combat, il était très rapide et expéditif. On va pouvoir voir la VF en 1v1. Voir ce que ça donne. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. C'est tout ce que je peux faire. Ah, je pense vraiment... Ça me paraît trop sérieux pour être la voix de Tenten, en fait. C'est ça, le délire. C'est que ça me paraît trop sérieux pour être Tenten. Ah, dommage. Allez, vas-y, à fond. Ah. Ok. Je me concentre. Oh là là, c'est trop classe. J'adore. Ça y est, c'est mon perso préféré, c'est un mode. Oh non, il s'éveille. Oh non, il va redire explosion. Ça y est, c'est la fin, les gars. Oh là 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 là. Ça va pas aussi loin, hein, non. Tiens, bah alors. Manque de rapidité, tu vas voir, le manque de rapidité, là. Oh non, mais en vrai, il est vraiment rapide, hein. Boum. Tu es à ma merci, Naruto. C'est une dinguerie. J'adore. Ça y est, je surkiffe ce mode. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va, là? Hop. Ah non, je... J'avais un petit doute sur le Tenten, mais non, je pense vraiment que... En fait, il n'y a qu'un seul moment avec l'ulti combiné où t'entends Tenten, parce que bah, Nanashi a pas d'ulti combiné, normalement. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a entendu, mais là... Ah non, ça passe trop bien. Ça passe beaucoup trop bien, vous me dites ce que vous en pensez. J'arrête pas de le dire, mais... Ah non, en fait, je suis choqué à tel point le mode est bien fait. Oh quoi? Genre, je fais l'attaque, il a TP, du coup ça fait disparaître mon attaque, mais je suis outré. Oh merde. Oh, ça va faire mal, ça. Oh là 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 là. Vas-y, stun-le. Voilà. Bah alors, Baryon, c'est tout ce que tu peux faire. C'est terminé. Tu es prise au piège dans mon genjutsu. C'est terminé. Et c'est ici que nous allons nous arrêter, les gars. C'est vraiment un super mode. En plus, je crois que le modeur a dit qu'il allait retravailler tout ça, etc. Genre là, par exemple, l'écran de sélection de personnages, il me semble, j'ai cru voir dans les posts de son mode qu'il allait essayer de retravailler ça, parce que là, ça a l'air un petit peu compliqué. Mais vraiment, je vous conseille de le tester par vous-même si vous avez le jeu sur PC. Et je pense que je vais le garder pour que ce soit les prochains tests de personnages ou juste en live quand on veut jouer au jeu. Parce que... elle est trop cool. Franchement, elle est trop cool. Elle passe super bien. J'ai pas eu un seul crash. Alors que c'est pas du tout un personnage du jeu. Donc, non. Gros GG au modeur. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bazous. Et je vous dis à la prochaine pour un autre stream. Une autre vidéo. Bye bye, les gars.